Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment soigner une grippe naturellement avec des ingrédients de maison. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à s'abonner pour ne rien louper et like la vidéo et partage-la. À tout à l'heure. C'est parti. Je pense que c'est une vidéo un peu particulière, mais je pense que ça va être utile. Voilà. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être utile demain ou après-demain. Je vais vous expliquer comment soigner une grippe naturellement avec des ingrédients de maison en plusieurs astuces. C'est parti pour la première astuce. Pour soigner une grippe naturellement, vous aurez besoin d'un oignon rouge, une moitié de citron, du miel, plus un récipient. Juste avant de vous expliquer comment les préparer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces ingrédients-là. Pourquoi? D'abord, pourquoi le citron? Vous savez tous que le citron est riche en vitamine C. Il est également riche en vitamine B. Le citron est donc un essentiel antibiotique. D'ailleurs, il est recommandé de boire une cuillère à café du jus de citron par jour. En fait, c'est très très bon pour la santé. Deuxième ingrédient que j'ai choisi, c'est l'oignon. Pourquoi l'oignon? Tout simplement parce que l'oignon est riche en antioxydants. Idem pour les citrons. Un oignon qui a une taille normale fournit 13% de l'apport quotidien recommandé en vitamine C. En plus de cela, il est contenu de la vitamine A. Donc, l'oignon a la capacité de réduire les symptômes de la bronchite, la grippe et le rhume. Maintenant, pourquoi j'ai choisi le miel? Vous savez tous que le miel est un ingrédient très efficace. Et le miel contient des antibactériens. Voilà, j'espère que c'est très clair. Je me suis fait comprendre. Maintenant, je vais vous expliquer comment les préparer. Premièrement, hachez l'oignon. Puis mettez-le dans un bol ou dans un récipient. Ensuite, mettez une cuillère à café jus de citron dedans, une cuillère à café de miel, puis mettez le bol dans un bon endroit, dans un endroit favorable. En plus, mettez une couverture dessus. Après quelques minutes, buvez une cuillère à café. Faites cela pendant 3 jours et vous allez me donner le résultat. J'espère que vous avez compris pour la première astuce. Maintenant, je vais vous expliquer la deuxième astuce qui est une astuce très facile à faire. C'est quoi? Chaque matin, si vous avez de la grippe, chaque matin, vous buvez une cuillère à café jus de citron. Et si vous avez le nez qui coule ou bouché, par exemple, vous pouvez vider une cuillère à café jus de citron dans vos nez. C'est dur cette astuce, j'avoue. J'avais déjà fait ça une fois, mais c'est très efficace. Je l'avoue, c'est très efficace. Alors, maintenant, on arrive au troisième astuce pour soigner une grippe naturellement. Vous aurez besoin, pour cette astuce, un gingembre, une moitié de citron, plus du miel. Comme j'avais déjà expliqué les bienfaits du citron, idem pour le miel, maintenant je vais vous expliquer pourquoi je choisis le gingembre. Simplement parce que le gingembre aide à combattre
la fatigue. Donc, ça tombe bien, car quand on a de la grippe, je ne sais pas si c'est que moi qui vois ça, quand on a de la grippe, on est fatigué. Voilà. Et le gingembre, il est très efficace pour ça. En fait, je peux dire que c'est sa spécialité en quelque sorte. De plus, il contient un anti-inflammatoire naturel. Voilà pourquoi j'ai choisi le gingembre. Maintenant, comment le préparer? C'est très facile pour les préparer. Mixer le gingembre. Ajouter une cuillère à café jus de citron. Ensuite, ajouter du miel. Buvez une cuillère à café pour finir. Merci, c'est la fin de la vidéo. J'espère que c'est utile et vous avez aimé.